c'est David Saint-Thier, le chanteur antillais, qui est passionné de musique, qui est né à Saint-Martin, qui a grandi en Guadeloupe, et qui a envie de partager la culture antillaise, qui est très important parce que je pense qu'on a beaucoup de richesses, et surtout partager ce créole qui nous est cher, qui fait partie de notre culture. Et voilà, c'est ça nos besoins, c'est mettre culture nous en valeur, c'est ça qu'on a essayé de faire à travers musique. Comment ça s'est passé, la collaboration? Donc, Baba, ça fait depuis l'époque lycée qu'on se connaît, on fait de la musique ensemble. Donc, il a fait sa production et j'avais envie et un désir partagé de faire une chanson dans sa production. Donc, du coup, la chanson, comment ça s'est déroulé? Donc, il était venu à Saint-Martin passer quelques jours à la maison. Là, on a décidé de faire de la musique. Donc du coup il a pris la guitare, mais c'est pas guitare moi, mais c'est une comment c'est jouer, dit chanter. Et voilà, boum boum boum. C'est bon, t'es sérieux là? Yo, là c'est parti pour la mort. Les gars, on fait pas chose sur tout ça. On va se même pas parler trop longtemps, on va pas le présenter à soi. Voilà, c'est un freestyle. Freestyle, dis-moi, le freestyle des vacances à Saint-Martin. Pourquoi tu fais pas de présentation? Ah ouais, mais ça coupe tout à l'heure là. Là, je peux pas chanter, après on va se présenter. Donc j'ai chanté ça et c'est passé crème quoi. Et donc du coup un an après je suis allé chez lui, j'ai décidé bon je descends en Guadeloupe. Là, et une soirée top chrono, c'était réglé. Hein. Il galérait mais nous arrivait quand même. Et voilà, ça donne le résultat aujourd'hui. Et voilà, je suis assez fier parce que ce que je voulais partager, j'espère que vous allez le ressentir. Et voilà, j'ai découvert la Guadeloupe. Voilà. Depuis tout petit, mami a pour moi kaki kiti. Il dit moi petit avant ou parti pas oublier on l'a sorti. Il y a pour moi qui crée, c'est celle l'identité nous tini. Alors moi en ciné compliqué. Non, tu connais déjà. Voilà, on a la guitare, on travaille dur. On a été arrêté par des Barcelonais qui ont apprécié la musique. Ouais, alors c'était comment cet échange? C'était sympa, tu vois. Ça veut dire que notre musique peut toucher n'importe qui, pas forcément celui de la Guadeloupe, donc c'est sympa. Ouais. Donc quels sont tes objectifs pour bientôt, pour ce qui arrive? Sortir des nouvelles chansons. Être m'améliorer, façon, aller vers le positif, hein, tout simplement. Ok. Et un petit mot pour tous ceux qui te regardent, des gens que tu connais pas mais qui apprécient ton taf, qui continuent à me suivre, et j'espère que je vais continuer à sortir des bonnes choses qu'ils vont apprécier. Bon, sur les réseaux, sur quel réseau on peut te suivre? Que sur Instagram. Vas-y, donne-nous. Instagrammeur Saint-Tite David 97. Yes, I. Yes. Tu fais mes récits, et moi qui chaillais, baby.